اعتقادات على رياض محرز منذ الزمان، مش اليوم. في 2019 اعتقادات كانوا موجودين حتى اليوم. انا من الشغل بالصحفيين ولا محللين، مش انا الشغل في الميدان مع اللاعبين. ورياض محرز هو أبطال أوروبا، ما عنده ولا مشاكل مع هذوك الانتقادات. معروفين الناس اللي يتكلموا على رياض والفريق ولا عليا، ولا ما نشغلوش معهم. احنا نركزوا على الفريق، على المباراة، على الشغل اللي تاع كل يوم في الميدان. بس. Bonjour coach, bonjour Ismaël, Eric Mabruit de Radio France Internationale. Coach, vous, pour le premier match, vous aviez dit que vous espériez une victoire pour assurer votre groupe. Malheureusement pour vous, ça n'a pas été le cas avec ce pénalty cruel en fin de match. Est-ce que depuis vous êtes obligé de faire comment est le moral de l'équipe, et après ce match, est-ce que vous êtes obligé de faire un travail mental un peu particulier pour empêcher que, si jamais ça devait arriver, les fameux fantômes de 2022 viennent un peu les perturber et un peu les freiner, les inhiber. Parce que vous avez beaucoup cité, ça fait déjà la troisième fois qu'on parle de 2021, et si on est hanté par ça ou pas, c'est même les termes utilisés. Non, c'est pas ça le football, c'est pas ça le sport de haut niveau. C'est rebondir à chaque fois qu'on est, se relever à chaque fois qu'on tombe. C'est ça le sport. C'est pas tous les jours pleurer sur son passé, ou sur un passé qui a été peut-être douloureux, ou rester dans une euphorie sur quelque chose qui a été sur un succès, par exemple. On se sert de ça, des uns, des autres, des différentes expériences, pour avancer. Mais comme ça, énuméré à chaque fois, passé, ça c'est pour vous, c'est vous qui avez envie de le dire. Nous, on se sert de ça, il y a une expérience à prendre, bien sûr. Le parcours qualification pour arriver ici est suite directement à ce que vous appelez voilà, les choses qui sont assez mauvais moments. Il est quasiment parfait. Seule équipe de ce continent à avoir pris 16 points. Et entre guillemets, si on aurait voulu, parce que pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, je pense que les journalistes algériens comprendront, si on aurait voulu, on aurait pu faire même le plein de points dans un truc, ce qui est souvent rare déjà dans le continent africain. Et en tout cas pour cette campagne de qualification, c'est sûr qu'on aurait été les seuls à avoir fait le plein de points. C'est un peu une preuve d'une équipe qui se relève. Maintenant, je vous dis, oui, on sert des différentes expériences, mais pas que les mauvaises expériences. Toutes expériences sont bonnes à prendre. Pour les sportifs de haut niveau, ils comprendront ça. Tu tombes, tu te relèves, tu regardes vers l'avant et t'avances. Coach Islam, je t'ai vu à la télévision. Coach, le match contre le Burkina Faso, il y a 14 heures. Est-ce que ça, c'est un avantage pour l'adversaire? Les Indos ont l'habitude de jouer dans les mêmes conditions climatiques. Ils savent depuis longtemps qu'ils allaient faire leurs deux premiers matchs à 14 heures. Donc, ils ont fait, je pense, toute leur préparation à cette heure-là. Donc, en ça, c'est un avantage. Ils ont peut-être plus l'habitude et plus le travail de jouer dans des conditions comme celle-là, sûrement. Mais ça, c'est un élément qui a sûrement son importance, que l'on prend en compte, bien sûr. On a joué notre deuxième match de préparation contre le Burundi à cette heure-là, plus ou moins. On a pris ça en considération, mais ça sert à rien de se torturer le cerveau. Il y a un match à jouer, si ce soit à 2h, à midi, à 8h du matin, on doit jouer. Ça sert à rien d'en faire des tonnes, quoi. Ikhlas, l'horaire elle est fixée, on se prépare en fonction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abd al-Rahman Sidabat, موقع Halarim Sport Mauritanie. Coach, après avoir assisté au match Mauritanie et Burkina Faso, quelles sont vos observations dans l'équipe nationale mauritanienne? Bon, là, on va jouer contre le Burkina Faso. Après, on va jouer contre la Mauritanie. Mais ce n'est pas encore le moment.
je vais quand même, parce que tu as un bel ensemble, un bel équipement, donc je vais quand même te répondre. Tu as habillé tout en bleu aujourd'hui. La Mauritanie a fait sensation sur ce match-là. Ils ont été très ambitieux. Ils ont bien travaillé ensemble. Ils auraient pu. Le score aurait pu basculer en votre faveur. Mais on n'est pas étonné. La Mauritanie travaille bien depuis quelques années. Et s'ils sont dans cette Coupe d'Afrique, c'est mérité. Et on sait qu'on a, depuis le départ, on savait qu'on était tombé dans un groupe difficile. Donc bravo à vous, continuez comme ça. Une question, s'il vous plaît, pas deux. Oui, Medahak, des Zetfoot. Question par rapport à la CAN, au début de CAN. On a vu quand même pas beaucoup de surprises, justement, ou plutôt pas beaucoup de scores lourds, beaucoup d'équipes accrochées, notamment des favoris. On a vu le pays hôte, notamment hier contre le Nigeria. On a vu aussi l'Égypte, qui a sur ces deux matchs à chaque fois. En plus, il y a cette énergie, ils reviennent à chaque fois en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez justement de ça et du fait que, justement, notamment des équipes doivent vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans leur match pour rester vivant, on va dire, dans leur match? Je ne comprends pas exactement la question. Ouais, je ne sais pas si c'est dû. C'est jamais, je pense, une analyse avec une réflexion unique. Je pense à une addition de circonstances. Déjà, il faut savoir, et on le répète tout le temps, il faut le savoir, il faut le prendre pour argent comptant maintenant, et se dire que maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Ça, on l'a dit une cinquantaine de fois, mais quand on analyse les matchs, on fait comme si ça c'était pas vrai. Donc, par exemple, quand tu joues contre l'Angola, je vais parler pour nous quand même, parce que je suis là. On sait que l'Angola, je vous l'avais dit avant le match, c'est les statistiques qui parlent, ils perdent pas, c'est une équipe qui perd pas depuis très longtemps, donc ils ont certaines assurances défensives. Quand on voit chaque match, on parlait de l'époque de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale, ils ont 6 points, c'est ça ? 4 points, voilà, avec le premier du classement, 4 points, et qui font trembler la Côte d'Ivoire sur ce dernier match. Donc, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Les équipes sont bien organisées, les équipes travaillent, et puis ils ont l'avantage aussi d'avoir peut-être moins de joueurs étrangers, donc plus habitués aux circonstances de notre continent, qui pèsent vraiment dans les rencontres. Il y a le fait qu'ils sont désinhibés, ils jouent contre les équipes, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de pression déjà. Donc, ils produisent des grosses performances. Moi, je suis absolument pas surpris. Après quasiment 6 ans en tant que sélectionneur de ce continent, je sais, ça se passe comme ça. Je sais que tu peux jouer n'importe quelle équipe. Elle se dit qu'elle a pas peur d'aller chercher. Et puis, elles ont raison. C'est ça le sport, ça la beauté du sport. Tu peux mettre une flopée de joueurs qui jouent Milan AC, qui jouent ici et là. Mais quand il s'agit d'un match, c'est 11 hommes contre 11 hommes, dans nos circonstances, dans notre environnement de l'Afrique. Et c'est peut-être pas c'est différent de ce qui peut se passer, notamment en Europe. Donc, toutes les équipes saisissent leur chance, et elles ont raison de le faire. Et c'est ce qui produit ces résultats-là. Donc, il faut se faire à l'idée que c'est pas les noms ronflants qui l'emportent. La preuve en est, avec tous ces résultats-là, c'est voilà, l'esprit d'équipe, la solidarité, le travail ensemble, le dépassement de soi, mille et une choses. Chacun a sa manière de voir les choses, mais en tous les cas, voilà, c'est un peu déjà ces éléments-là.